Il y a donc 10 ans que la Chine a établi le premier institut Confucius et depuis, plus d'un million d'étudiants ont eu l'opportunité d'étudier la culture chinoise. Certains sont même allés en Chine pour l'apprendre en immersion. Au Kenya, les étudiants marquent l'anniversaire avec des célébrations spéciales dans le centre de Nairobi. Reportage. Un spectacle pour le meilleur des cultures chinoises et kenyanes. Une manière spectaculaire de célébrer une réussite incroyable. Depuis sa fondation, l'Institut Confucius de l'Université de Nairobi a obtenu des succès académiques remarquables et conduit des échanges culturels fructueux. L'Institut Confucius offre une fenêtre unique sur la Chine, sa culture, son histoire, sa langue et des opportunités d'apprentissage inestimables. Il y a plus de 1000 instituts dans le monde, dont 38 en Afrique. Ces 10 dernières années, ils ont aidé des milliers d'étudiants africains à obtenir des bourses pour étudier en Chine. J'ai déjà appris leur culture et cela me stimule d'étudier car je sais qu'ils offrent des bourses. Si je travaille dur, j'aurai une bourse pour faire mon master en Chine. Donc je suis privilégiée d'être dans cet institut Confucius. Surtout, je pense que j'ai appris la culture chinoise, comme la qipao. J'ai acheté une qipao, j'ai aussi appris des chansons et j'ai réussi à communier en chinois. Au début, le chinois, on ne sait pas ce que c'était. On pensait que c'était très loin. Mais maintenant, je pense qu'on apprécie le chinois. Cela a changé beaucoup de vie, comme la célébration aujourd'hui. C'était vraiment bien. Cet institut de l'Université de Nairobi était le premier en Afrique. Depuis sa fondation, il est resté le premier de la région et se place dans le top 20 mondial. Nous avons été dans cette position depuis le début et nous espérons que nous resterons le premier institut Confucius non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Cette année, plus de 100 étudiants se sont inscrits à des cours de chinois à l'institut. Leurs formations vont du certificat au doctorat.